Je suis Miss Téton, c'est le nom que j'ai récupéré de ma présence sur les réseaux sociaux. Je viens d'ouvrir le premier salon de tatouage complètement dédié à la reconstruction après un cancer du sein, le Téton Tattoo Shop. Le concept, c'est de proposer aux femmes qui ont subi une mastectomie, de leur proposer une reconstruction du mamelon et de l'aréole par le tatouage 3D, qu'on appelle 3D, qui est une technique qui vient des États-Unis et qui consiste en fait à reproduire la forme, la texture, le volume du mamelon et de son aréole par le tatouage traditionnel. Donc c'est les mêmes techniques et les mêmes produits que les tatoueurs utilisent. Et ça donne un résultat réaliste, tout à fait personnalisé, parce qu'on arrive à recopier le sein restant complètement durable dans le temps, parce que c'est comme un tatouage classique, c'est définitif. En fait, les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles sont confrontées à un long parcours médical et souvent elles rejettent un petit peu le fait de devoir revenir à l'hôpital pour des opérations supplémentaires. Et il y a à peu près seulement 30% des 20 000 femmes par an qui subissent une mastectomie qui vont jusqu'au bout de la reconstruction. Donc ce constat, il m'a amenée à penser à un endroit qui soit différent pour proposer cette nouvelle technique et qui soit différent d'un salon de tatouage classique, parce que ces femmes-là n'ont souvent pas de rapport avec le tatouage et n'auraient pas poussé la porte forcément d'un salon de tatouage classique. Et donc j'ai voulu un endroit qui soit décloisonné du milieu médical. Et donc je me dédie complètement à ce type de tatouage, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour pouvoir proposer un résultat satisfaisant et qui puisse permettre à la personne de se réapproprier son sein reconstruit et de pouvoir vivre avec ce nouveau sein et l'accepter et passer à autre chose.